Que vous êtes là pour m'offrir à coucher cette nuit, jeune homme. Allons, allons, ce n'est rien. Mais alors, monsieur Pastour, il y a eu une explosion dans votre laboratoire. Eh oui, une fausse manœuvre et boum, badiboum, boum, boum. Heureusement que vous n'avez pas été blessé. Heureusement que je suis encore là, oui, heureusement que je suis encore vivant et bien portant. Mais... qu'est-ce qui a fait tout exploser? Quel produit et quelle poudre? Ou bien, quelle nouvelle invention? Et quelle machine? Celle que j'ai vue hier, sur votre bureau? Non, non, ce n'est pas celle que vous avez vue hier. Non, je crois tout simplement que c'est... C'est Centour? Oui, Centour. Oh, 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 il va sûrement nous jouer des mauvais tours cette nuit, je le sens. Mais Centour, de cette façon... m'empêche de poursuivre nos recherches. C'est vrai? Oui, j'étais justement en train de construire un appareil immense qui allait enfin le démasquer. Et quel genre d'appareil? Un appareil jaune, avec des roues et... Mais comment peut-il le démasquer, Centour? Mais c'est très simple. Quand Centour se trouve près de l'appareil, une lumière rouge s'allume. Et quand il est très loin? Et quand il est loin, eh bien, c'est une lumière qui clignote. Et quand il parle? Quand il parle, il y a une fumée bleue qui sort de tuyau. et quand il rit? Et quand il rit, eh bien, l'appareil tout entier se met à ronronner comme un petit chat. Eh bien. Eh oui. Heureusement que j'ai encore mes plans, c'est pas... Heureusement que je pourrais... Je vois que je pourrais reconstruire mon appareil. Oui, heureusement que... Heureusement que... Bon. Oui, bah, je pense qu'il est temps d'aller dormir. Oui, oui. Oui, d'accord. D'accord. Tout à fait d'accord. Ces derniers événements m'ont épuisé. On en reparlera demain matin. D'accord? Oui. D'accord. Alors je vais dormir. D'accord. D'accord. Bonne nuit. Verbeau, venez. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'apporter un peu d'eau et de l'aspirine? J'ai un peu mal à la tête. Avec plaisir. Merci, merci. Parfait. Et quand ils seront tous couchés, je jouerai des tours. Ah, mon petit Centour, tu es formidable. Et dire que j'ai réussi à exploser. Bon, et maintenant, faisons semblant de dormir. Viens t'asseoir. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons nous amuser. Alors nous mettons la maison sur des roulettes et nous la poussons dans la rue. Non, non. Nous versons un seau d'eau sur la figure de l'inventeur. Mieux que ça, et c'est beaucoup moins dangereux surtout. Mais quel tour vous voulez-vous jouer? Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai ici deux pilules de ma fabrication. Elles sont de votre fabrication. Mm-hmm. Mais quels effets produisent-elles? Dès qu'on avale la première, on s'endort profondément. Et dès qu'on avale la seconde? Dès qu'on avale la seconde, on fait beaucoup de rêves très drôles. Mais quel est celui à qui vous les donnerez? L'inventeur, voyons, à la place de l'aspirine. Oh, mais c'est un tour digne de Centour. Ça. Mais si les rêves sont drôles, celui qui dort est le seul à rire, non? Non! J'ai ici ma troisième invention. Eh bien, l'inventeur n'est pas le seul à inventer. En effet,
Voici deux autres pilules qui nous permettront de voir tout ce qui se passe dans la tête de Centour. Avec ces pilules, nous entrerons dans ses rêves. Mais c'est impossible. Mais pas pour un génie, Pico. Et même au pays des génies, je suis le seul à connaître ce secret. Incroyable. Tiens, prends cette pilule. Alors comme ça, nous verrons les rêves drôles que fera l'inventeur. Mm-hmm. Quand je pense que nous saurons à quoi rêve un inventeur. Allons lui porter ses aspirines. Tiens, tiens, il dort déjà. Professeur Pasteur, réveillez-vous. Mais nous avons vos médicaments, réveillez-vous. Ah, ah, mais c'est vous. Bon. Voilà, ça, voilà. C'est aimable, ça. Voilà, vos aspirines. Oh, bon, vous voilà. Avez... Merci, c'est très gentil. Voilà. Ah, voilà, merci. C'est très gentil. Bonne nuit. Oui, c'est ça, bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Moi, malade. Mais quelle maladie. Quel œil au beurre noir. Et quelle explosion. Je suis le roi des... Pardon, je suis le... Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive, là? Je suis le roi des... Le roi des montagnes. Et voilà, le tour est joué. Dès qu'il l'a avalé, notre pilule a fait son effet. Dès qu'il l'a avalé. Mais oui, c'est vrai, dès qu'il l'a avalé. Maintenant, approchons-nous. C'est ça, nous allons assister au rêve. Bon, nous éteignons ? Bien sûr. J'ai éteint, ça va ? C'est bien, ça va. À présent, il va faire des rêves. Et nous allons bien rire. Rire tous les trois. Après-demain, nous en rirons encore, tu verras. C'est bien nous. Qu'est-ce que vous faites? Nous peignons. Ah, vous peignez. Mais qu'est-ce que vous peignez? Nous peignons les fourchettes en jaune, les ambulances en vert, et les autobus en bleu. C'est ça, en bleu. Vous avez peint les autobus en bleu. Ah non, ce n'est pas tout. Car nous venons vous peindre, vous aussi. Ah bah vous venez me peindre moi. Ah, vous venez me... Oui, nous venons vous peindre. Ah bon. Oh, mais vous avez peint ma poubelle. Mais ça c'est très drôle. Oh, mais vous avez peint mes vêtements. Mais attendez un petit moment. Mais attendez un petit moment. Moi aussi, je vous ai peint vos vêtements. Oh, mais ma parole, vous devenez drôle. On jurerait que vous sortez d'une boîte de surprise. Mais savez-vous, les amis, que nous sommes devenus fous. Nous sommes devenus fous. Ah. Oh, quel drôle de rêve il a fait. En effet. Et surtout, quand nous avons peint les vêtements. Oui. Et nous avons peint comme ça, sans raison. Ça, dans un rêve, tout est possible. Enfin, à peu près tout. Oh, nous éteignons. C'est bien. Ça va, j'ai éteint. C'est bien, attention, ça recommence.